Donc nous revoilà sur le chantier donc de Velux. Ce matin, vous avez pu voir donc le diagnostic effet de pente réduite. Deuxième paramètre, c'était effectivement donc les conséquences des fuites de ce que ça peut donner. La dépose et maintenant, vous allez voir la suite. Donc voilà, là il y a une caussière donc qui a été faite. Donc pour vous montrer un petit peu le principe, je vais vous le montrer sur le côté. Comme ça au moins on le verra bien. Donc on peut voir qu'ici en fait on a un bois donc une caussière qui est en biseau. D'accord. Donc on peut voir qu'ici on a une partie haute et ici on a une partie basse. Donc si je dis pas de Velux, si je dis pas de bêtises, là le Velux a été posé avec une pente de 23%, ce qui permet vraiment d'être à la cote minimale par rapport à ce qui existe. Donc là, toute la partie structure a été donc mise en place. Maintenant, il va falloir parler donc, de l'étanchéité. Donc là, on va préparer donc un système qui va être un système d'étuvage qui va permettre à l'ensemble de la zingrie de pouvoir épouser donc le Velux, la caussière et bien entendu la toiture existante. Comme je l'ai expliqué sur cette partie-là, on aura vraiment un beau pavé hein, puisque le but de l'opération sur un chantier comme celui-ci, c'est d'avoir vraiment un gros placard d'étanchéité, donc des relevés qui vont être relativement grands et hauts de manière à ne pas être embêtés et supprimer complètement la problématique de d'étanchéité. Voilà, donc voilà le Velux avant, voilà le Velux maintenant. Donc on verra l'avancée un peu plus tard pour la partie d'étanchéité. Voilà, à tout à l'heure.